C'est parti pour cette grande finale absolue femme, 20 tours. Et c'est parti, meilleur départ pour Aubade Pluneck, 20 tours à parcourir. Et on fait tout de suite l'extérieur avec la M Sport et son dossard 291. Pardon. Il s'agit de. Alors c'est pas le 291, c'est le dossard. Je vois pas aimer le bras. De, je vois 297, pardon, 297. Zoé Rémy d'AM Sport. En troisième position, nous avons Elisabeth Austin de Bougnay avec son dossard 257. On fait l'intérieur Canal Paris, il me semble. Dossard 271. Il vient de Bretigny-sur-Orge. Mélanie Lisée en cinquième position de Saint-Sébastien. On remonte également. Oups là, qui vient de tomber. Et là, il y a une petite cassure suite à cette chute. On va essayer de revenir avec la patineuse de long jumeau, Clara Tonnet. 261 avertissement. Il s'agit d'une patineuse de Bougnay, Axel Collange. Allez, pour l'instant, toujours AM Sport en tête avec Zoé Rémy, Aubade Pluneck, Anaël Paris, Axel Collange là qui fait extérieur pour remonter en 5e position. Patineuse de Bougnay avec son dossard 261. Ça remonte devant. Mélanie Lisée là qui fait l'effort pour essayer de revenir. On essaie de passer en tête avec Anaël Paris. Mais on a repris directement l'intérieur avec Zoé Rémy et Aubade Pluneck pour reprendre sa place. Et du coup, suite à cela, on accélère légèrement avec AM Sport et Zoé Rémy. Allez, encore 10 tours à parcourir. On a la mi-course. On fait l'intérieur là avec Axel Collange pour reprendre une 4e place. Allez, pour l'instant, le rythme qui a de nouveau ralenti. Alors, attention là, Aubade Pluneck qui va accélérer. Et passe en tête et va accélérer le rythme maintenant. Alors, attention là, Aubade Pluneck, là, le leader clairement de cette course, qui vient accélérer le rythme. Et on a creusé l'écart directement. Zoé Rémy qui va du coup prendre en charge la poursuite dans ce petit peloton là. Également, il y a une cassure. 5 patineuses là pour se battre pour la deuxième et troisième place. Aubade Pluneck qui s'est mis à l'abri maintenant. Allez, toujours Zoé Rémy, Anaël Paris, Axel Collange, Elisabeth Augustin, Clara Tonnet. Allez, pour l'instant, pas de changement. Il reste 4 tours à parcourir. Allez, on tente peut-être l'extérieur avec Axel Collange. Là, on se prépare. Ah non, malheureusement, non, on ne va pas créer assez de vitesse là pour pouvoir passer. Alors, il va rester 2 tours. Pour l'instant, pour Aubade Pluneck, ça semble course gagnée. Mais pour la deuxième et troisième place, ça risque de batailler dur. On fait l'intérieur là avec Axel Collange et on est passé en deuxième position. Attention là pour la deuxième et troisième place. Flouzéry, on fait l'extérieur avec Axel Collange et on vient passer. Ouh, beau dépassement. Axel Collange qui va prendre la deuxième place devant Zoé Rémy. Magnifique dépassement pour aller chercher cette deuxième place.